Pam pam param pam pam. Yo David, comment ça frérot? P1, j'achète un pack. Oh il pleut, c'est vrai. Oh sa mère, la pute, il Il y a pleut. 35 ans, Oh Niki j'avais Loda oublié qu'il décrochait pleuvait, sa merde. 35e et dernière victoire en Grand Prix En ici à Savoie, pas en Zandvoort. Allemagne. Après s'être élancé de la Oh 10e place, l'Autrichien remontait le peloton pour finalement s'imposer face à son aïe. Alors coéquipier Aaron la Wojtyla Savoie, ça pour reste en 2 Savoie. dixièmes de seconde. Ceci On avant, il fait voit partie là, de on son voit retour l'histoire à là la sur Formule 1 Snap. et F1. Il a bien Putain, la évidemment suivi Savoie, c'est l'évolution vrai du qu'on jeu est en de Christophe Savoie, Colombo sa et mère. Post, mais il n'en Je sais demeure plus c'était pas moins quoi l'un le des nom de grands classiques la. de ce sport. Ne Ich! comptons Ah pas oui, sur non, les ich de ouf automobiles là. qui forment le circuit de Zandvoort. Sur Aïe aïe place, aïe aïe aïe. avant de commencer, jetons un Je suis en coup d'œil à Savoie, du coup il y a l'ensemble des moyen de sixièmes équipes de la savoir. course du jour. Alors, Mercedes, attends. sensationnelle On rigole hier, mais. Lewis Hamilton s'élance de la première place. Première ligne Valtteri Mercedes. Bottas complète la première ligne. Ah, En he's ce qui typing. concerne le reste de la grille, Ah, nous y a pas de avons peine, hein. Y a pas de Leclerc, peine, hein, on part Vettel, sixième. On Max part Verstappen, sixième. Julien, Stroll, Fais-moi Hamilton, rien. Ricciardo et Lando Fais-moi Norris, rien. Sainz, Grosjean, Esteban Ocon et What? Mais Magnussen, lesquels? Fiat, Gasly, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi, Latifi et George Russell, dernier sur la grille. Il est Terrible là, presque l'heure du attendez. départ, Hein. Le casque il dirigeons-nous est à trop la beau, piste merci, pour c'est ce nouveau Nathan qui Grand l'a Prix. fait frérot. Ah mais ok. Alors ça, tout reste là-bas. Tout reste là-bas mon ref. C'est mort. C'est mort. Alors, intermédiaire pendant 36 tours et ensuite on passe des pneus secs, vamos. Vamos, vamos. FC oui ou FC non dans le chat là. J'aurais dû tweeter quand on faisait la deuxième course là. Merde. Oh, oh là là, je sens que ça va être une galère. Je pense que ça va être une galère les pneus là. Je pense que vraiment ça va être très très dur. FC oui. FC oui oui. Ah y'a masse de FC oui, ouais, je vous êtes confiant. Hein. Il pleut hein. Il pleut les gars. Ça va être dur hein. Ouais, j'ai 5 flashbacks on rappelle hein. T'aimes la pluie? Bah non. Bah non. Pourquoi tu dis ça? Non, j'aime pas la pluie. C'est bizarre toi. Ah. Franchement, j'aurais voté non, je crois. Hein. FT Stonks. Il y en a qui ont les emotes ou pas animés en vrai là. Y'a Dams, il a mis le truc avec l'appli là. Je trouve ça trop stylé les emojis animés, c'est trop drôle. Les IA sont à l'arrêt sous la pluie. Ok. Ok. Ah, ça me tabasse. Vraiment, ça me tabasse ce genre de route. C'est trop drôle. Ça me fume, genre, je regarde le matin, je regarde Bibi de le pote à Kameto, là, de la Kameto Corp, en gros. Et ils ont une chanson quand Bibi chine le stream. Et genre, tout le monde balance le refrain avec des émotes qui dansent. C'est trop drôle. En vrai, il y en a pas mal, hein. Il y en a quelques-uns. Mais en fait, vous les voyez pas, si vous avez pas l'application, je pense, vous voyez pas les émotes. Un bon start. Allez, un peu de concentration. On s'installe pour le 1120e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Montez le volume et rendez-vous au premier âge. Ça, c'est BTTV l'appli, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, le coup du champ, c'est vrai. C'est vrai. Yo, diable, le temps. Allez, come on. 5 flashbacks, 60 tours, allez. La pression qui monte. Ah ouais, rien à foutre du temps de formation. Le start il va être mauvais, hein. Je vous le dis tout de suite, le start il va être mauvais. Hein. J'ai pas de grip mon frère. Ah, Lens! Oh oui, merci! Ça va être une horreur. Hein. Ça va être une horreur cette course.
Ça va être terrible, hein. On voit rien. On voit absolument rien. Je pense que les premiers tours, on va se faire graille. Mais à partir du troisième, on va pouvoir revenir un petit peu. Est-ce que ça passe à fond le banking? Je pense pas. Je pense pas que ça passe à fond le banking, honnêtement. Elle va être longue, elle va être très très longue. Putain, il y a 72 tours! Oh, yeah, je suis tellement impatient sur l'Axel. Ça va être très très long, les gars. Je pense qu'après celle-là, je vais être mort. Il y en a qui aiment bien rouler sur la pluie sur F1 2020, là. Perso, je trouve ça... Ça dépend des circuits, j'allais dire. Je trouve ça horrible. Ça dépend des circuits, en vrai. Tout est possible, même la win. C'est vrai que... En vrai, avec les pneus inter et tout, oh là, la sauce, oh la sauce. Tout est possible en vrai. En fait, la pluie en intermédiaire, je trouve ça horrible. C'est trop compliqué à analyser, genre. Faut poser une FAQ pendant les 77 tours, bah vas-y. Hein. Pose des questions. Hein. Là, normalement, on devrait commencer à prendre du rythme. Là, au troisième tour, c'est le tour où les IA commencent un peu à lâcher en termes de puissance. Essaye de upshift plus rapidement, ouais, t'inquiète. Je me doute, en fait, ça dépend. Le premier secteur, faut upshift énormément. Genre short, alors c'est short shift normalement, en gros. Pour avoir le plus de traction possible. Là aussi, en fait, dans les virages, non, faut short shift. Mais dans le secteur 2, en vrai, on peut tirer sur les rapports. Ça va être dur hein, de dépasser, hein. Ça va être très très dur. Hein. À quand le global sur CS? Allo? Allo? CS gros, actuellement je suis Nova 4. Hein. Non, je suis AK. Je suis AK Laurier maintenant sur CS gros. Oh sa mère. J'ai oublié de désactiver le RS. Oh, là par honte. Oh, je touchais l'herbe. Faut que je me souvienne, c'est quoi la trage la plus intéressante en inter. C'est chaud en vrai, hein. C'est chaud, hein. Bon alors le Soon, je sais pas comment il interprète le Soon, mais oh, ça passe à fond. Ça passe à fond, let's go. Ça passe à fond. Come on.
sa mère. C'est trop dur. Non. Je vais avoir shoot. Je crois que j'ai peut-être trouvé une technique, mais ça va être trop dur pour les WTL. Ma technique. Ça donne quoi la tempête pneu là? Non, ça va. Sous la pluie, j'aurais eu les pneus qui surchauffaient, ça aurait été très drôle. Hein. C'est qui en tête là? C'est une Ferrari ou c'est moi? Non, c'est une Mercedes. Ferrari, elle est deuxième. Putain, Leclerc, deuxième, incroyable. Je regrette déjà mon pari. En vrai, ça va pour l'instant, on se débrouille correctement. Allez, on va essayer d'attaquer là. Il pleut tout le GP hein, pour la grande, la grosse première moitié. Hein, putain. On va essayer d'attaquer un petit peu là. Oh non, le moteur, vraiment le moteur qui est fatigué là. Wouhou! Ça va vraiment être trop dur. Hein. Il n'y a personne qui se double, regardez les écarts sur la map. Oh, le pneu arrière gauche, pardon. Bonsoir. Non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mon cousin. Oh le cousin, qu'est-ce qui lui arrive là? On va chercher de l'eau. Hein. Wesh. C'est incroyable ça, qu'est-ce qu'il a le pneu? Oh, ouais. Je vous le colle, il fera jamais top 4, bah super. Super Lulu, merci. C'est vrai que là du coup mais là on va pouvoir passer sur les pneus secs là. Ah les gars, c'est là que ça devient intéressant. Est-ce qu'on tente de rentrer? Faut qu'on rentre avant eux. Faut que je tente un tour avant eux. Là, c'est encore trop mouillé, à mon avis. À mon avis, c'est encore un peu trop mouillé. Huitième tour, on rentre. Faut tenter, les gars. Mais gros, mais le pneu arrière, il surchauffe, ça casse les couilles. En vrai, j'ai même envie de tenter maintenant, là. J'ai envie de tenter. Non, trop mouillé, trop mouillé. Trop mouillé pour l'instant. Je pense que prochain tour tout le monde va rentrer bande. Je pense qu'au prochain tour tout le monde va rentrer. Le FC non réclame des softs. Non, on va attendre un petit peu. J'écoute le FC oui là. Bon, est-ce qu'on boxe à la fin du 8ème tour les gars? Vite, j'ai besoin d'avoir votre avis là. Étape 9. I don't think the line is really dry enough yet to start thinking about slicks. Let's hold on to the inters for a while longer. Jeff a dit qu'il fallait attendre un tour de plus. Jeff a dit qu'il fallait attendre un tour de plus. 9 ou 10. Ok. Je suis plus sub. Super Nathan. Super Nathan. Merci beaucoup. Hein. Étape pneu. Étape pneu. Okay, looks like some of those puddles are clearing. We're still on the right tire for the time being, but we're not a million miles away from slick conditions. Vraiment, je sens qu'on va se faire baiser. Hein. Étape pneu. Étape pneu.
The tire situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. J'en peux plus des pneus arrière là. C'est invivable le pneu arrière gauche là. Putain. Je pense qu'on a la box. Hein. Il y a des fois dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Étape pneu. Étape pneu. It's not a perfect situation, but I don't think we have cause to move on to a different tire yet. En vrai, les gars, on tente. Gontante. Si on a le bon call, les gars, on va être super rapide. Moi, je pense que le premier tour, on va être au ralenti, mais étape pneu, on va le spammer. Étape pneu. Mais si, mon ref. Oh, le pneu arrière. Voilà, dans tous les cas, le pneu arrière. Hein. Dans tous les cas, les pneus arrière sont en train de partir. Putain, non. On n'a pas le choix. Go box. Là, en vrai, go box. On n'a pas le choix de toute façon. Regardez, le pneu arrière gauche m'a lâché. Putain! Oh, ça intéresse, c'est qu'un. Étape pneu. Étape pneu. Oh, les clairs, merci mon crack. Gomme médium. Non! Gomme médium. Culé, va. Remettre des médiums. Ah, pourvu que ce soit la bonne décision. Hein. Pourvu que ce soit la bonne décision. Hein. Fallait pas. On n'a pas le choix. Les pneus sont morts. Ah, mais je pense qu'il parlait du sub. Ça va, vous? Ça va, vous? Stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Pas l'impression qu'on soit plus rapide, hein. En fait, il y a des zones d'eau. Il y a des zones d'eau, ça rend le truc trop compliqué. Ah, ils ont box. Héro, c'est pas possible. Albon. Ah! Oh, sa mère! C'est toujours plus lent comme intermédiaire, c'est incroyable cette histoire là. C'est quoi ce beans? Oh, attendez, hein, je suis focus. Ah, les pneus là, les pneus ça va. Ah, deuxième secteur. Fast test. On est le plus rapide dans le deuxième secteur, les gars. Lance Roll est toujours pas rentré au stand. Lance is in for his stop. Et de 1. C'est pas grave. J'ai mis le RS. J'aurais pas dû mettre le RS. Lance is in the pits. Je
Allez, come on. Okay, we're low on fuel. Try shifting up the gears a little sooner. This should help us save some fuel. Oh non, mais ils ont box. Mais gros, je suis encore plus loin. Aïe 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 aïe. La clownerie, hein. La clownerie, hein. Je suis encore plus loin qu'avant. C'est terrible. On dirait une stratégie Ferrari, mais oui, de ouf. Mais gros. Et je suis le seul en pneu médium en plus là. C'est quoi ce racisme envers mes pneus là? Pourquoi je suis le seul en médium? C'est quoi leur stratégie? Il reste 60 tours à faire. Quoi? Oh, oh le RS bien vu. Le RS bien vu, bien vu, bien vu. Fallait mettre des softs, mais gros, mais moi je veux faire un arrêt de moins. Là, ils vont faire quoi? Ils vont faire tendre hard, non? Attends, moi, je vais où avec mes médiums? Je vais où? Je fais 50 tours avec les médiums. Non, mais on rompiche, là. C'est quoi, ça? Alors, peut-être... P5 pour l'instant, P5, on n'est pas loin, on est à une place de la target. Hein. On est à une place de la target. Plus one on target. Hein. Mais gros, mais je vais aller au bout avec ces pneus médium, moi. Si on fait 50 tours avec, mais mec, mais il est hyper long le Grand Prix. Aïe, c'est terrible, hein. Ça fait combien de temps que t'es en live? Je sais pas, normalement c'est marqué en dessous du lecteur. On va faire 2-3 heures là. Comment tu fais pour l'avoir sur la fin 2020? C'est un mode sur PC, frère. C'est un mode. Vraiment, quand vous posez la question, à chaque fois j'hésite à troll, mais bon. Je me dis, il y en a peut-être qui connaissent pas le modding, ils savent pas comment ça marche, donc bon. Ce serait de la zup de troller, tu vois, mais. 3h, ouais, voilà, 3h30. Allez, il faut que je me rapproche de Valtteri. Oh, on est pas mal, il va repleuvoir. Non, normalement, on va au bout en sec, là, maintenant. On va au bout en sec, les potes. Oh, sa mère. Ah, Vettel qui revient, Vettel qui revient. Les pneus tendres qui commencent à faire effet. C'est terrible. Demande la strat de Bottas. Pas bête. Pilote devant. Is ahead of you. Okay, gap ahead is 1.6 seconds. They're on fresh softs. We think they've got two stops remaining. Two stops. Okay, on gagne la course. On gagne la course, hein. Je vous le colle, on gagne. Hein. On gagne à Zandvoort. Hein. Le FC Wii commençait à vous frotter les mains. Wow. Ah bah voilà, mérité. Mérité. Mérité, Sébastien Vettel. Oh, il m'a fait ça aussi, lui. Attends, ils ont encore deux arrêts à faire. Qui vont remettre des tendres et mettre des médiums. Les médiums font... Ah mais attends, mais les médiums font 50 tours. Je suis totalement confus. Je comprends rien, là. Là, j'avoue que je comprends rien. Il y a un mode pour la Alpine. Pas en carrière, parce que le... Je suis totalement coupé. Le skin de la Renault est très très dur à modifier, en fait. Il est, on peut pas faire grand chose. Mais en mode My Team, ouais, en mode My Team, t'as un skin Alpine.
Lewis Hamilton qui prend le meilleur tour. On en est où sur le fuel là? Froid, elle va être longue. Hein. Elle va être longue cette course. Hein. Il va repleuvoir. Non, normalement il pleut plus. Hein. Ah, mais Bottas qui s'envole, c'est normal. Les pneus ont chauffé, nœud tendre. Pas de panique, les gars. Il va falloir être patient. Sortez vos plus grandes phrases de tai chi ou je sais pas quoi là. Et soyons patients là. En carrière, on peut l'avoir. Ah ouais? Il y a un mec qui a fait le mode Alpine. C'est vrai que quand même, Bottas va très très vite. Hein. Comparé à nos vieux chronos en médium là. Il y a quand même une grosse différence. Hein. Épuisé par le tâche, je vais pas pouvoir avoir la fin. Rip. Aïe 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 aïe. Bah va te coucher mon frérot. Le sommeil, c'était importante. Tu as l'Alpine. Moi j'ai une Alpine, mais pas une vraie Alpine. J'ai une Renault en gros bizarre. Il est trop bien ce circuit. Bonsoir, non. Vraiment pas. Bon, les Mercedes, elles sont trop rapides. Ils tournent tous en 13, 13.9, 13.8. Et moi je suis là avec mon 14 et quelques. Qu'est-ce que tu veux faire, gros? Je suis en 15.1, frère. Ils mettent une seconde par tour, plus d'une seconde par tour. C'est abusé. Ah, abusé, là. Pour réussir, il faut réfléchir. Bien vu. Pour dominer, il faut tricher. Ça, c'est la devise. T'as trouvé les bugs de suspension? Non, j'ai toujours pas trouvé. J'en ai toujours pas trouvé la solution. J'en ai moins eu, là, sur les derniers, je crois. On est moins, enfin, ou alors elles se sont moins battues peut-être, j'en sais rien, mais c'est assez chiant en vrai, ça a totalement ruiné la saison de McLaren en vrai sur le McLaren. Elles étaient très bien placées avec les victoires de Sainz et tout, et t'as essayé sans les modes? Ouais, j'ai essayé sans les modes. Le Discord, c'est bon, ouais, pour ceux qui viennent de rejoindre le Discord, vous pouvez retourner dessus. Il le fonctionne très très bien. Vous pensez ça fait combien de tours les pneus tendres là? Oh come on. Parce que s'ils me mettent une seconde par tour pendant 20 tours, je suis baisé là. Je suis vraiment baisé. Hein. On peut repirater. Non, non, mais on a refait un Discord. Il n'y a rien à craindre les gars. Il s'était passé quoi avec le Discord? Il y a des mecs qui avaient hacké le Discord et ils avaient pris le contrôle. Ils avaient pris les droits du serveur. Je déteste ce circuit, c'est incroyable. Il est horrible, frère. C'est trop, c'est trop. Tu t'es fait arnaquer, il fallait donner le QR code, ouais, c'est ça. C'est le bug des. Enfin, le bug, le hack des QR codes en gros. Le lien Discord est invalide. Ah ouais? Ah, peut-être que c'est sur téléphone, non? Sur téléphone, il faut copier le lien et le mettre dans ton navigateur de recherche. Donc c'est soit Safari sur iPhone, soit Google sur Samsung. Ah, t'es sur ordi? Ah ouais? Même sur PC? Ah bah, hâte Lulu. En dessous du stream, c'est l'ancien. Ah merde. Bah, faut faire la modif. STP Lulu. Ah, t'as pas accès à mon compte, je suis con. Mais bad, je suis con. Non, tu peux pas. Je prenais le lien qui est dans le chat en fait. Prenez le lien qui est dans le chat et je ferai la modif pour le stream de demain. On a fait que 20 tours. 20 tours, wesh. J'ai l'impression qu'on en a fait 65, gros. C'est incroyable. Je préfère ce circuit à Monaco ou Singapour. Bah, pas moi. Hein. Je préfère largement Monaco ou Singapour que Zandvoort. Hein.
quelle horreur. C'est chaud là, là c'est la galère. Hein. T'as le programme des 36 heures. Je vous le poste demain, les potes, sur les réseaux. Je le posterai à Twitter, Insta, as soon as possible. On est en train de régler 2-3 détails sur le planning. J'espère que Nathan est sur le planning, qui était sur live tout à l'heure. D'ailleurs, Nathan, les gens apprécient beaucoup ton casque, Aston Martin. Tiens, le dire. Tu as maté la F2 cette année, ouais. Ouais. On va se regarder ça tranquillou les dimanches et samedis, là. Ça va être cool, en vrai. En vrai, j'aimerais bien... Ça vous plairait, vous, des streams, genre, débat, enfin, genre, je sais pas, avec quelqu'un. Genre, enfin, je sais pas, les débriefs, peut-être pas à refaire comme les débriefs, mais genre, des petits trucs comme ça. Tous derrière Théo, c'est clair. Je sais pas, des streams, ouais, pour faire parler un peu des courses, regarder les courses en même temps, les essais, des streams débriefs résumés, j'en sais rien, tu vois. Of course, yes, oui, grave. Oui. Vas-y, bah vamos. Je note. Un live avec Blabla et des pielos, c'est mon rêve. J'avoue que c'est pas prévu, je te le dis tout de suite, mais un jour peut-être. Hein. Comme avec Romain, c'était top. Ouais, c'est vrai que c'était très cool le live avec Romain. C'était grave cool. Je sais pas si on aura l'occasion de refaire des trucs ou quoi, parce que bon, bah lui, du coup, entre l'Indie et Canal, ça va être... Il va être chargé, son programme, mais... Ouais, Bottas s'envole, je sais. I know, Bottas s'envole. Oh, Gasly, allez, safety car. Oh, il avait besoin d'une safety car. Il n'y a pas de safety car dans ce mode carrière, c'est pas drôle. C'est pas drôle là. Faut savoir que c'est que 30 minutes les essais 1 et 2. C'est pas une heure. Il me semble que c'est une heure. Ah non, c'est 30 minutes de moins, pardon, j'ai mal lu, excuse frérot. Non, c'est. Ouais, c'est ça. En gros, c'est une heure les séances d'essai maintenant. Une heure la FP1, une heure la FP2. Putain, pourquoi y'a pas de safety car là? Ça aurait pu me régaler là. À quand le partenariat avec Canal pour diffuser les courses? Aïe. Pas de sitôt, je pense, hein. Malheureusement. Wow. J'ai eu chaud. Tu vas regarder le GP en live dimanche? Ouais. Ouais, dimanche on regarde le Grand Prix en live. Dites-vous tout ce qui est F1, F2, si ça tombe pendant le live 36h, on le regarde. Donc, qualif F1, course F2 le samedi, dimanche matin F2, F1 l'après-midi. Regarde les pneus. Les pneus, je pense, vont bien. Les pneus, c'est correct. À part le gauche qui surenchauffe, paye les droits à la FIA. Ah, ça. C'est pas la FIA, frérot, c'est la FOM. La FOM, ouais. Mais bon. Tu sais, ça coûte combien les droits de diffusion, frérot? Tu sais combien de millions d'euros ça coûte? Voilà. Je pense que là, c'est plus un sub goal qu'il faut faire. Hein. Là, c'est un crédit à vie. Hein. En vrai, je pense que si demain je deviens giga riche, je négocie avec la FOM pour me partager les droits. Pour partager les droits avec Canal. En vrai. Juste pour ton petit kiff, tu vois. Ce serait trop bien, en vrai. Je sais plus exactement le prix, en vrai. Non, c'est pas 2,5. Non. C'est... j'ai plus le chiffre exact, en vrai. Juste pour flex, exactement. Et là, tu stream la F1 et tout. Ils peuvent rien te dire, la FOM. Vu que tu payes. Ah, je me fais déposer, hein. Seconde après seconde, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Canal, ils ont les droits jusqu'en 2023. 3, 4. Je crois que c'est 2023 de mémoire. Tu fais ça, t'as 100 000 personnes sur le live. Ah bah gros, demain tu diffuses la F1
sur Twitch sans payer, mais oh, mais... Attention les audiences. Je reviens vers Verstappen win dimanche. Ah, ça va être compliqué, moi je pense en vrai. Je pense que ça va être compliqué pour Max si Mercedes résout les problèmes qu'ils avaient. Canal, ça se finit en 2022, ok. J'étais persuadé qu'ils avaient signé pour plus, mais... Je te crois. Putain, on rompiche, là! Elle est nulle, la course! Moi, je vous dis, en plus d'être fort athlétiquement, faut une force mentale pour être pilote de F1. Moi, au bout d'une heure, hein, c'est bon, hein, je déconnecte. Hein. T'as un programme pour live 36h. Demain, il sort. Demain, on vous met ça sur les réseaux. Si personne n'achète les droits, il se passe quoi? T'as pas de diffuseur en France, tout simplement. T'as pas de diffuseur. Si demain, Canal ne repaye pas les droits et que la FOM ne s'aligne pas avec une autre chaîne ou un autre diffuseur, tout simplement, en F1, tu n'as pas de commentaire français en Formule 1. C'est aussi simple que ça. Ou alors, deuxième option, la F1 TV Pro, ils te font une section française. Et alors là, du coup, ça va être la guerre. Les journalistes, ils vont se battre pour aller là-bas. Hein, mais 50 millions, ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, Leclerc. C'est plus de 30 millions, mais je sais pas, c'est... Si, en Belgique. Bah, non, mais si demain... Si demain Canal vient à arrêter la Formule 1 et que personne derrière reprend les droits en France, la F1 TV Pro, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre une section française avec un flux français, comme on a un flux anglais et espagnol, et avec des documentaires en français, et... Deux. Ah, déjà deux en 25 tours, en vrai, hein. Aïe. Compliqué, hein. A new strategy is available on the MFD. Allez, come on. Alors, nouvelle stratégie, qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, il est bourré. Tout va bien. Légalement, t'as pas le droit de regarder la F1 en France. Pourquoi? Pourquoi t'as pas le droit de regarder légalement la F1 en France? Vous avez Vigneron. C'est vrai que les Belges, vous avez le petit Gaëtan. Mais gros, en fait, leur stratégie, elle est trop bien. Je viens de comprendre, en fait, pourquoi ils ont pris les tendres. Il y a un delta autour, gros, mais... Ils vont ressortir devant moi, en fait. Ils auront bon faire deux arrêts. Ils seront toujours plus rapides que moi, en fait. Je suis baisé, là. Okay, we're low on fuel. Try shifting up the gears a little sooner. This should help us save some fuel. Je crois vraiment que niveau stratégie, on s'est fait baiser, les gars. Quand les bâtards là? Tu joues sans aide? Ouais, moi je joue avec aucune aide. Il y a pas un à foutre du dada, non? Quand qui rentre au stand devant là? Faites un effort, wesh. Come on. Oh là, terrible, hein. Terrible, hein. J'avoue que là... Là, c'est pas drôle, hein. Là, on s'amuse pas, hein. C'est combien la traversée des stands? C'est 17, je crois. Gros, je te jure, ils vont ressortir devant moi. Je suis à combien en dégradation, là? Je suis à 25. On s'est arrêté au 10e tour. Donc, on a quasiment fait 20 tours. Il y aurait... 35 à faire. Bon, s'il n'y a pas de safety car, cette course, ça va être une catastrophe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Après, Canal, qui est intéressé par les droits de la F1,
Je sais pas en vrai. Je sais pas. Quoi 45? J'ai dit quoi? Ah, je me suis trompé sur le calcul. 45. Ouais, non, oui, c'est ça, oui. Attends, mais quoi? Mais non. Comment ça, 45? En plus, 4-7. Ah, mais oui, mais on est au 28e tour. Non, my bad, oui, non. Je me suis... my bad. Oui, on est au 28e tour. J'ai fait mon calcul si on était au 30e. My bad. Je serai jamais mon comptable. Bah non, moi... moi, non, je serai jamais comptable, frérot, vraiment. Moi, j'ai besoin d'un comptable, justement. Besoin d'un comptable pour YouTube. Vraiment, la compta, qu'est-ce que ça me fait chier. Sérieusement, qu'est-ce que c'est nul. Enfin, en fait, c'est bien hein, si tu fais des études de compta et que tu sais y faire, tu vois. Quand tu sais pas faire ta compta, oh là là. Oh là là, quelle flemme, hein. Quelle flemme. Je peux même pas aller au bout, je suis baisé là en fait. Je peux même pas aller au bout là, je suis juste baisé en fait. C'est impossible. Ils vont refaire un arrêt, ils vont ressortir devant. C'est bien beau. Mais du coup, si moi aussi je dois faire un arrêt derrière, ça sert à rien. C'est un métier de fou comptable. En vrai, moi j'aurais kiffé faire comptable, mais faut être intelligent et être fort en maths. Pas faire youtubeur. Si Canal rachète pas, peut-être RMC Sport. En vrai, je sais pas qui pourrait racheter les droits en F1. No joke, aucune idée. Aucune idée. En vrai, la F1, je pense la F1 aurait plus d'intérêt à faire une section France sur la F1 TV Pro que de payer des droits. Hein. Bon, du coup, tu t'attires toute ta communauté sur ton application. Après. En termes de business, c'est incroyable. Hein. TF1, Eurosport. Ouais, peut-être. Pas sûr que les chaînes publiques, honnêtement, aient les moyens de se payer ça. English, oh non, quoi. English, please. Oh no, let's see. Ok, so I am doing one lap. First lap. Pourquoi le canal a arrêté de diffuser la F1? No, they are not stopping. There are no stopping. Ok, two lap. I'm doing two lap now. It's not even half of the race. Honestly, come on. It's such a joke. Green. Je l'ai acheté où le casque Pierre Gasly sur son site? On his website. I don't think you can buy it anymore. I don't think you can buy it. I don't know the decor, what I should do. I don't know what I can put in the decor. Because you don't see much to be honest with the camera. With the angle like this. You don't see beaucoup de choses. And I'm sitting quite low in the voiture. Enfin, in the chaise. So, you don't see much of the wall either. So if we put some tableau on it, we need to put the good one. Oh. Let's go. Un tableau avec les sub-goals. Ouais, et toi, tu veux que je twerk aussi pendant qu'on y est? J'ai trouvé des trucs intéressants. Alors, j'avais regardé, yep, mais... pas des trucs qui m'intéressaient moi perso. Mais il y avait 2-3 trucs quoi, qui étaient pas mal en vrai. C'était cool.
Un petit display, des minia. Yeah, I think display is good. I think I'm gonna put a meuble. Ok, so that was the third lap. C'est bon, j'ai fait le... C'était dans ce virage, j'ai fait les trois tours. Je pense que je vais prendre une étagère, tu vois. Et mettre des trucs dessus, mais je sais pas encore quoi, tu vois. Faut que je trouve des objets de déco. Et je pensais genre mettre un truc pour afficher, enfin accrocher, je sais pas, des passes ou des conneries comme ça, tu vois. Un grand poster de F1, ouais, aussi. Oh, ouais, ouais. Ça boxe quand devant. Mais gros, j'en peux plus, hein. J'en peux plus, hein. Ça fait déjà 20 tours qu'ils sont en pneus tendres, hein. C'est incroyable, hein. Ah, yeah. Tu mets un compteur de spin, ça t'amuse, Rex? Ça t'amuse, Rex? Oh, box Hamilton, mais il va ressortir devant. Je vous jure qu'il va ressortir devant, les gars. Hamilton va ressortir devant, c'est pas une vanne. Il est dans les stands. Mais 200%, il est déjà ressorti, là. C'est sûr, hein. Envie de tilt, hein. Envie de tilt, hein, sérieusement. Il a 10 secondes d'avance. Et donc là, il doit refaire un... Mais non, même pas. Attendez, mais même pas, en fait. Il peut faire... Il peut mettre des pneus tendres jusqu'à la fin, en vrai, s'il veut. Moi, je pense qu'il va mettre des pneus médiums au prochain pit stop. Donc là, il va aller jusqu'au 50e, à peu près, ou 45e. Et il va mettre des médiums. Donc en gros, moi, si j'ai pas de safety car, je suis baisé. Si j'ai pas de safety car, je peux pas remonter, c'est impossible. Super, super. Sur la fin de 2019, je crois que t'avais stoppé ta car avant. Ouais. Je sais plus pourquoi, parce que le jeu était sorti. Il y avait le nouveau jeu qui était sorti, et du coup, bah, fallait que je coupe la carrière au plus vite. Et comment couper la carrière d'un pilote plus rapidement? Bah, quick. Et je parle pas du resto. Mais Latifi dehors, non, 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 vous êtes malade, vous. On est respectueux. Allez, Bottas, faut au moins que je ressorte devant Bottas et Verstappen pour leur ruiner leur stratégie. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. C'est pas juste, c'est pas juste, j'ai juré. On mérite mieux que ça, on mérite mieux que ça. J'ai envie de tilt, hein. J'ai vraiment envie de tilt, hein. Allez, drapeau bleu, là, casse-toi. Casse-toi, putain. Quoi? Oh là là, s'il se remet à pleuvoir en fin de course, c'est les larmes, hein. S'il se remet à pleuvoir, les larmes, hein. Ça peut être très très drôle, hein. Ah, oh, mais gros, mais vas-y, mais ils sont en pneus tendres, ils vont s'envoler encore plus. Ah, il faut une petite prière, là. Il me faut de l'appui. Il me faut de l'appui sur la fin de course. Mais casse-toi, Giovinazzi, frère. J'en peux plus, là, sérieux, quoi. Sérieux, quoi, là, j'en peux plus. Bouge de là. Même s'il est loin devant, ça fait du dirty air, quoi. C'est un mode pour la Stan Martin. Oh. Tout va bien. Il va jamais repleuvoir, les gars. Donc, il a dit 10 à 15 minutes. C'est quelle heure, là? Non, 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 non. C'est 53, donc ça veut dire que... Allez, on va dire à écart, normalement, il repleut. Normalement, à écart, il repleut. Un gros poster de Mazépine dans le décor. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec une petite photo de Pierre Ménès sur le bureau aussi, pendant qu'on y est.
Mets-le dehors. Bon voilà, il s'est envolé, c'est bon, il n'y a même plus de drapeau bleu, frère. On peut plus, hein. Il est là, pas plus. Qu'est-ce qui vous arrive, là? C'est tellement pas bien niveau carburant. Si, si, niveau carburant, on est tranquille, en vrai. Hein, ouais. S'il se remet à pleuvoir, on est encore mieux pour le coup. Ménès, sujet sensible. Oh, pff, absolument pas un sujet sensible, hein, Pierre Ménès. Hein. Bon, normalement, faut assumer. Hein. La moitié de la course. J'ai l'impression que c'est la quatrième course d'affilée que je fais là, les gars. C'est horrible. T'es pour qui au foot? En France ou dans tous les pays confondus? Je suis pour Lyon. Et après, en général, je suis pour les joueurs lyonnais. Donc Real avec le Barça. Real avec Karim. Avec Benzema, je voulais dire. Bayern avec Tolisso. Et après, je sais pas, les joueurs, ouais, plus que les clubs. Mais j'arrive même pas à revenir sur une Alfa Romeo, hein. C'est vraiment la honte. Hein. Je vais même pas me rapprocher en vrai, parce que si je me rapproche, je vais être bloqué. Donc Barça avec Umtiti, bon, disons que le Barça, voilà. Hein. On va pas en parler, clairement, pas mon problème. J'en peux plus, hein, vraiment. Je n'en peux plus. Merci Mike. Come on, Hydro Cube Pushing. En vrai, la P4 est pas si loin, hein. Il suffit d'une safety car ou d'un abandon devant et on l'a, la P4. Merci pour le SF, hein. Perso Saint-Etienne plus Barça fort fort fort. Très bien, donc on est pas potes. On commence bien. Actuellement, tu ressortirais derrière Stroll. Ouais, mais Stroll, il a un arrêt à faire encore, donc c'est pas grave. Pourquoi tu regardes derrière pour regarder devant, frérot? Ça vient d'où l'alerte sub? Laquelle? Celle d'Hamilton? Abu Dhabi 2014, quand il gagne son titre. Oh, d'ailleurs, les gars, on est en train de bosser, là. Les nouveaux overlays. Oh là 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 là. C'est très très lourd. Petit bémol, enfin petit bémol, c'est moi qui lui ai demandé, mais il y aura plus de timer maintenant, vous voyez. Il y aura plus de timer en gros. Donc je lancerai quand je voudrais, tu vois, quand je voudrais. Genre en gros, à tout moment je lance et je prends direct. Et à tout moment vous patientez 45 minutes. Ça va être très très drôle. T'aimes bien le nouveau générique de la F1? Ouais, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Mais en vrai, ouais, non. Le mec qui bosse, là, il fait un taf très très stylé, là. Quand je voudrais. Ça va, toi. Tu veux qu'on rappelle tes notes en français il y a 2 ans? Tu vas pas me juger, toi aussi. Pas toi. Là, c'est du tirali, hein. Là, c'est du tirali, Furious, hein. On est où, là? Bonne nuit, 47, tiens. À quelle heure ils fonctionnent, les médiums? T'inquiète. T'inquiète, mon frère. Tout va bien, tout va bien. Vas-y, bah vas-y, rappelle-moi tes notes en français l'année dernière. Rappelle-moi, t'avais combien? Rappelle-moi ta moyenne. Moi, je peux te la rappeler, hein. J'avais 13 de moyenne en français. Hein. J'attends de voir, hein. J'attends de voir la réponse. Hein. Parce que bon, en français, j'étais premier de la classe, hein. C'est pour dire l'année dernière. J'étais premier de la classe en français, hein. Tout ça parce que j'avais la même coupe de cheveux que mon prof, hein. Avec l'autre. Aïe 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 aïe, oui Franck. Pas le droit de dire les noms. Est-ce que t'as fait... Qui a fait Projet Voltaire? Qui a fait Projet Voltaire ici dans le chat, là? Moi, j'ai échappé au Projet Voltaire. Ah là là, Team Krakito, hein. Team Krakito, hein.
T'es passé sous le bureau, même pas. Même pas, juste parce que j'avais la même coupe de cheveux, je suis sûr il m'appréciait. Moi. Aïe. Le projet Voltaire, je sais pas si t'as vu, mais Anna veut faire un octogone. Ah ouais? On le fera pas au live 36 ans, on le fera la semaine d'après du coup. Quand? Mais gros, tu m'as dit 15 minutes, il y a 5 minutes. En vrai, c'était pas si chiant le projet Voltaire. Je sais pas, moi je l'ai jamais fait, donc... Bon, toi, à quelle heure je t'insulte en italien devant la espèce d'enculé, va, tu vas te casser de là? J'en peux plus de Stia, là. Putain. Sérieux, quoi. Ça sert à rien, tu l'as dans ton CV. C'est vrai. T'avais la même calvache que ton prof. Non, alors gros, l'année dernière, pour ceux qui m'ont connu, là, il y a quelques mois avant, j'avais une énorme touffe, mais vraiment, genre, énorme, tu vois. Tu remontes sur ma chaîne YouTube, tu cherches les tout premiers best-of d'il y a un an. Et il avait la même. Il avait vraiment la même coupe de cheveux. Du coup, je me dis, soit en vrai, il aimait bien mon travail, ce qui est possible parce qu'en vrai, j'étais pas dégueu, tu vois. Soit il m'aimait bien juste parce qu'on avait la même coupe de cheveux. Il y avait deux options, tu vois. Oh les gars, le malaise, le... Oh là 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 là. La première fois que je lui ai dit que j'étais youtubeur streamer, bah à l'époque j'étais pas streamer encore, j'étais juste youtubeur. La première fois que je lui ai dit que j'étais youtubeur à lui. Oh là 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 là. Il était un peu... pas à l'ouest, tu vois, mais enfin, il était complètement à l'ouest, frère. Je suis pas trop en parler, mais bon, bref. Et genre, j'avais raté son cours et tout. Et je le croise le lendemain matin. Enfin, il me laisse passer. Enfin. Oh, la libération. Et du coup, je le croise le lendemain des F1 eSports. Ouais, t'étais pas là mercredi et tout. Je peux savoir où t'étais? J'étais à Paris, à la télé. À la télé, comment ça? Il me l'a pas dit, mais il était à deux doigts de me lâcher un « comment ça, fils de pute ?» Oh, mais, ah, machin. Et là, il me dit « ouais, qu'est-ce que tu faisais à la télé? T'es allé voir un plateau ?» Et gros, ah, et là, j'étais là en mode « ouais, non, moi, je suis allé commenter des courses et tout. » Il me fait « commenter, c'est-à-dire, t'étais à la régie ?» Non, je commentais des courses de voitures et tout. Les jeux vidéo, l'e-sport et tout. Et là, il me fait « ah, mais pourquoi tu fais ça ?» Et du coup, moi, j'étais en mode « bah, je suis youtubeur et tout, machin. » Oh là 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 là, alors là, vraiment, attention, hein. Là, vraiment, faut des couilles, hein. Quand t'annonces à tes profs que t'es youtubeur, faut être solide sur les genoux, hein. Faut être solide, hein, parce que tu te prends des tacles, attention, hein. C'est tacle à la gorge, hein. Et l'autre, je fais « ouais, machin et tout, je commande des vidéos sur Internet et tout. » Et en vrai, il avait trouvé ça cool, tu vois. Mais il m'avait lâché un. Mais tu fais quoi, la télé? Tu fais pas de la télé, toi, tu vas faire aller. Parce qu'en fait, mes profs, ils étaient persuadés que j'allais faire électricien. Dans le fond, j'avais des bonnes notes, hein, l'année dernière. Donc j'aurais pu faire électricien, j'aurais pu avoir la vie facile, hein, vraiment. Je faisais une licence, je partais travailler à l'étranger, l'argent, la monnaie, tout ça. Et genre, ils pensaient tous que j'allais faire électricien. PTDR. C'était sans compter le Covid. Ah, le Covid, hein, qui a servi de tremplin, bien évidemment. C'est laquelle la vidéo la plus vue sur ma chaîne? Je sais plus. Peut-être le... Je sais plus, soit c'est un épisode de coop, soit c'est un best-of. Bah, c'est la... Ah bah oui, d'accord, je comprends. Je crois que c'est soit ton best-of, soit la coop. Hydroélectricien. Bah les gars, j'ai fait des études... J'ai fait des études pour ça, de base, hein. Là, dites-vous qu'il y a un an, je cherchais un stage en alternance. Enfin, un stage. Je cherchais une alternance. Et je me faisais refoule de partout. Promis un si bel avenir. Ah, ça, je sais pas. L'avenir nous le dira. Alors, en tout cas, quand je vois en tout cas ce que je voulais faire de base, je voulais faire un truc à l'étranger et tout. Mais bon, avec le Covid, cette année, c'est la merde. Donc, je me dis que j'ai rien perdu. Et le deuxième truc que je voulais faire, c'était une licence de commerce. Ça, j'aurais kiffé faire du commerce. Mais mon pote, il m'a dit qu'à Skip, c'était pas ouf. Donc, finalement, on est peut-être mieux à se faire trash par des gamins de 15 ans sur Internet, hein. Ça rapporte pas mal, électricien. Ça dépend. Chaque métier dépend, ouais. Je suis né en 99, moi. Chaque métier dépend. Si t'es à ton compte, si tu travailles pour une grosse boîte, si tu fais des heures sup. Moi, je sais, quand je bossais dans le BTP, en vrai, ça payait pas mal. Ça payait pas mal. Pire année 99, mais je t'emmerde. Zrex, on est où là?
On est où là, monsieur? C'est quoi ça, la discrimination là? Sinon, l'ingénierie c'est pas mal. Bah, j'espère pour toi, frérot. Hein. Imagine, tu deviens connu et tes profs ils se font interviewer. Oh, pitié, non, hein. Pitié, non, hein. Ah, vraiment, hein. Tout, mais pas ça. Hein. Ah, bah, électroméca, en vrai, ça gagne bien. Hein. J'ai pas pris l'option la plus simple, hein. J'ai pris l'option, Inch'Allah, ça passe, comme on dit. Hein. Comme dirait Cyril. Hein. Ah, vraiment, non, mais si mes profs se font interview, pas drôle du tout. Hein. Pas drôle du tout. Hein. Ah, Vettel, il est derrière, putain. Faudrait une issue devant, là. Ils sont trop rapides, hein. Ils vont ressortir demain. Hein. Vraiment, mais ils vont ressortir devant encore. Hein. Je sais pas quoi faire là. Vas-y, flemme. On va rentrer maintenant. Casse les couilles ce Grand Prix en vrai. S'il y a une safety car dans les 10 prochains tours, je craque. Hein. Je boxe. Hein. C'est bon frère, j'en peux plus de cette course. C'est incroyable ça, putain. Aïe aïe aïe. Go go go. Frère, j'ai pris le clutch deux fois. Okay, je dois ressortir derrière les Williams. Ah là là là, on ressort derrière les Williams, un plaisir. Terrible, hein. Bientôt les 100K YouTube. Ouah, peut-être pas cette année, l'année prochaine peut-être. Peut-être l'année prochaine en vrai, mais un jour. Hein. En vrai, je vous avoue, j'ai un petit objectif personnel, les gars. J'aimerais bien faire atteindre les 100K en faisant que des vidéos F1, genre le jeu. Parce que genre, je pourrais prendre la direction comme Pierrot, entre guillemets, tu vois. Pas faire le même style, mais. Parler de F1 en gros, je pourrais faire ça aussi. Mais tu vois, j'ai commencé avec des modes carrière, j'ai envie d'avoir les 100K avec des vidéos gaming. Le gaming. Ce serait trop stylé. Wow. Ce serait trop stylé en vrai. En vrai, giga fierté, tu vois. Alors non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, mon Lulu? What's going on, mon Lulu? Tu as commencé avec une coop. Alors. Je te permets de te corriger, non. J'ai commencé avec un gameplay sur Black Ops 2 avec la map. Je sais plus quelle map, mais. Bon, bah écoutez, on est reparti pour 30 tours. Hein. Maintenant, c'est F1 pas code. C'est vrai. Et de 3, super. Super, fallait mettre des softs. Non, je pense que j'aurais pas pu aller au bout avec des softs. 30 tours, c'est trop. 30 tours, c'était trop. Je crois que Hydro a oublié la pluie, mais il va pas pleuvoir. Hein. Ah, quoique. Attendez, mais oui. Merde, la pluie. Ouais, mais j'aurais pas pu tenir, les gars. J'aurais pas pu tenir avec des pneus médium, ils étaient déjà à 50% en vrai. Ça donne quoi la pluie là? La sauce. Et je parle pas de nourriture. Je parle bien évidemment de la pluie qui arrive dans les prochains tours. Je vais arrêter de chanter parce qu'il va pleuvoir encore plus vite. Oh non, vraiment. Anytime soon, il a dit. Anytime soon, vous vous rendez compte ou pas? Anytime soon.
Horrible en vrai. Hein. Tu vas faire Eurovision, mais j'ai une gueule à faire Eurovision? Eurovision, mais... No offense, hein, mais qui regarde l'Eurovision, frère? Personne! L'Eurovision, il n'y a que les Bulgares que ça intéresse, en vrai. Genre, The Voice. Ah, The Voice. Je vais me faire... buzzer par... C'est qui fait The Voice? C'est Mika? Jennifer? Je connais pas les autres. Tadam, tam, tam, tadadadadam. Aïe, 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 aïe. Strat Ferrari, j'avoue que la Strat est vraiment à vomir. Ta gueule, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule, connard. Putain. Je déteste les changements de météo sur ce jeu, putain. Tout le temps, quand il y a de la pluie, ça me baise. Me fait tout le temps avoir, gros. Jamais les bons calls. C'est incroyable, ça. Putain, on dirait Monza, frère. On dirait Monza sur YouTube. Je l'ai encore en travers de la gorge, hein, Monza, d'ailleurs. Si vous avez vu l'épisode de Monza, vous savez. Putain, Verstappen et Leclerc, là. Je les déteste, hein. Au revoir, mais 1K. Rip. Ah, il pleut. Ça y est, il pleut. 48e tour. 48e tour, il pleut. Oh, je vais tilt. J'aurais pu le faire, 48. J'aurais largement pu aller au 48. Non, mais les gars, mais vous croyez quoi? Vous croyez que je vais gagner 38 secondes avec un changement de pneu intermédiaire? Je peux pas, frère. Je suis derrière Stroll. Ah, si Stroll pousse jusqu'au pneu intermédiaire, du coup, je vais pas pouvoir m'arrêter. Oh là là, les rafales d'insultes. Oh là là, le chargeur est chargé. Ah non, mais faut qu'on dépasse Stroll là. Grosse attaque là, come on. Oh non. Pas le droit au bonheur avec ce mode car, j'ai l'impression, hein. En vrai, si ça se trouve, on va rester en médium, hein, les gars. En vrai, si ça se trouve, pas besoin de passer les inter, hein. Mais non, mais vas-y, mais... Quelle météo de merde, putain, hein. Oh non, ça commence à glisser. Oh, ça commence à glisser. Je suis le seul trou de balle qui a pas mis des pneus tendres aujourd'hui. Hein. Je suis le seul trou du cul qui n'a pas mis des pneus rouges. Hein. J'ai trop le seum. Hein. Donne-moi des infos sur les pneus et ta pneu. Faut que je double Stroll. Vite. Oh non, je regarde pas quand. Oh non, mais il vient de me dire. Il vient de me dire que c'était pas le moment. Ah bah, opposite to Stroll, hein, du coup, pas le choix. Ok. Understood, stopping this lap. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Rien vu, rien entendu. Complete, go now. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ah.
C'est vrai pour les Bits. Pas toi, mais pas toi. Mais pas toi. Mais casse-toi. DRS has been disabled by the stewards. DRS will be offline. Mais gros, ils ont eu la stratégie parfaite, j'en reviens pas. J'en reviens pas, putain. Gros, ils se sont arrêtés deux fois pour me détendre. Les pneus les plus rapides. Et pile quand le relais est fini, mettre des inters. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce jeu. Putain. Ah bah au moins on va doubler Stroll, ça c'est une bonne nouvelle. Merci Maj. Attends. On va éviter de se cracher dans le... là. Merci Majix pour le sub, bienvenue frérot. Allez hop, hein. Stroll dans les rétros. Maintenant on attend plus que la safety car pour nous relancer. Petite safety car là pour me relancer, ce serait pas mal en vrai. Hein. En vrai de vrai. Hein. La chatte comme dirait comme Benoît Père, exactement. Exactement mon frère. 37 secondes, 20 tours restants, j'ai envie de tilt. En vrai, c'est con parce qu'on fait un bon résultat, un top 5. Un top 5, c'est pas mal. Mais ils ont tellement de chance, en fait. J'ai pas eu la chance de me battre, en fait. C'est ça qui me rend fou. J'ai pas eu la moindre tentative de résister, genre. En vrai, top 5, c'est bien, mais... Ah, là, on rompiche, hein. Là, on rompiche, ouais, mais c'est pas un top 4, c'est vrai. Alors là, vraiment, s'il y a un abandon dans le top 4, par contre, c'est dans mes veines. Hein. Sachez-le. Hein. On reste calme, on reste calme. Ça fait partie du jeu. On peut pas contrôler la météo, même si ça paraît bizarre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ciao ciao Zrex. Bonne nuit. J'espère que tu DNF super, super mec. Il va vraiment re, enfin il va, la pluie va vraiment se réarrêter dans 10 minutes là. Donc d'ici 22h30 à peu près, un peu avant. Pourquoi t'es lent? Ah, oh, mais ça fait mal de dire ça, ça fait mal. Je suis pas lent, frère. J'ai une Aston Martin. Et je suis juste loin. Je suis juste loin, frère. Je peux rien faire de plus. Là, il faut une safety car. Là, il faut une safety car. Même si c'est un abandon de derrière, faut au moins que je me rapproche. Hein. Come on. Stroll, pour combien tu te mets dehors, là? Un petit crash gate, là, come on. Plus hein, vraiment, ce circuit est en train de me dégoûter. Hein. Ce circuit est en train de me dégoûter. Hein. Je pense quoi d'Aston Martin cette saison? En vrai, je pense que aux essais hivernaux, on n'a pas vu le plein potentiel de l'Aston avec des problèmes. Et moi, je pense qu'ils sont devant Renault. En fait, ils sont au niveau de Alpine. Pardon, ouais, je vais avoir un peu de mal cette année. Je pense qu'ils sont au niveau de Alpine en vrai. Mais devant, derrière, je sais pas trop. Vu qu'ils ont pas vraiment poussé à fond, je sais pas à fond ce que ça donne quoi. Et dire qu'il y a des gens qui aiment bien le circuit, hein. Vraiment, vous me dégoûtez. Hein. Vous me dégoûtez, les gars. Ça me dégoûte. Hein. Et derrière McLaren. Non, moi, pour moi, ils sont un... Ouais, McLaren, pour moi, est vraiment un troisième largement. Pour moi, c'est Red Bull, l'égalité avec Mercedes. McLaren, troisième.
Et derrière, c'est très très serré, quoi. Derrière, à mon avis, ça va être serré entre Alpine, Aston, Ferrari et AlphaTauri, un chouïa derrière. Toi, tu aimes Singapour et on dit rien, mais Singapour est un magnifique circuit, les gars. Franchement, il y a quoi que vous aimez sur ce circuit? Dites-moi. Moi, je peux vous dire, Singapour, c'est un circuit de nuit, en ville, un circuit rapide en ville, c'est rare, avec des bonnes zones de dépassement, donc j'aime bien, tu vois. Le banking, oh mais super. Pour un virage, il faut pencher un petit peu la tête, juste pour le banking, non mais. Moi, ça me rend fou, justement, ces changements de niveau, là, frère, j'ai l'impression d'être dans une montagne russe. Bon, là, je suis au ralenti, hein, là, flemme, hein. Flemme, hein, c'est safety car ou rien. Je vais pas rattraper 38 secondes sur une Ferrari, donc... Moi, je déteste le dénivelé du circuit, hein, vraiment. Hein. Ouais, moi, je pense Jeddah, en vrai... Enfin, Jeddah, je sais pas. Jeddah, je sais pas si je vais aimer, parce qu'il y a pas beaucoup de zones de dépassement, et c'est tout le temps flat out, en fait. Singapour, il est technique, en vrai. Hein. Singapour, il est grave technique, en vrai. Après, à la manette, ouais, Charles... Je peux comprendre, la manette c'est galère, tu vois. Genre. Bon, voilà, moi j'aime bien. Tu vas pas aimer Portimao. Ah, Portimao, j'avais fait une vidéo dessus sur Assetto Corsa, je l'ai détesté, hein, vraiment. Portimao, horrible. Hein. J'ai check toutes les saisons et j'ai remarqué Suzuka à chaque fois tu râles contre les IA au premier virage, mais regarde, les notes carrière, le titre est. J'ai trouvé une solution, je crois. Ou à chaque fois il plonge et il détruit sa course. Mais je connais le bug des IA à Singapour. Ah, à Singapour, au Japon, pardon. Je le connais, hein. Demain, t'organises le live 36h. Ouais, demain soir. Demain soir, 20h, un petit stream tranquille. Je sais pas ce qu'on va faire demain soir. On va pas jouer, je pense. Ce sera discussion tranquille. On parlera des essais hivernaux et du live 36h. Ce sera peut-être pas un live très long. Il y a du react. Ouais, il y aura peut-être du react en vrai, je sais pas. Tout dépendra de l'évolution du setup si on a réussi à tout mettre avec lui, etc. T'en penses quoi du Paul Ricard? Paul Ricard, sur le jeu, je l'adore. Bon, dans la vraie vie, malheureusement, on n'a pas eu des courses de ouf, mais le circuit, je le trouve très très cool. Et à aller voir, en vrai, le Paul Ricard, c'est sympa. C'est vraiment sympa. J'ai hâte, je sais pas, c'est quand qu'ils vont annoncer s'il y aura du public ou pas cette année. J'espère qu'il y aura... Ouais, c'est libre, pardon. À chaque fois, je dis essayer Verno, my bad. À chaque fois, je dis essayer Verno. Je sais pas s'il y aura du public cette année à Grand Prix de France. On se fait chier fois 1000 au Castellet. Ouais, bah après, le circuit... Il y a eu les travaux, hein. En vrai, on verra hein, les travaux, ce que ça a donné. Mais c'est quoi ton t-shirt? Je sais pas, mon ref... Je l'ai acheté sur Zalando, je crois. J'achète tout sur Zalando. Vraiment, Zalando, si vous voulez faire une collab, n'hésitez hein, pas. Vu le nombre de milliers d'euros que je vous ai donné depuis le début. D'ailleurs, faut que je me rachète des fringues. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des fringues. Depuis que je suis à Limoges, je crois que j'ai... Ah si, j'ai acheté un pull. Ton t-shirt, bah, je sais pas, je l'ai depuis combien de temps. Dommage, car le circuit est cool, mais il s'y passe rien. Ouais, c'est ça. C'est ça de ouf. On verra avec les changements, on verra ce que ça donnera. J'espère que ça ira un peu mieux. Et puis si ça va pas mieux, tant pis. Hein. Il y a des circuits comme ça où malheureusement bah, t'as pas d'action, tu vois. Genre, il faut des circuits où tu te fais chier. Hein. Regarde, Zandvoort. Zandvoort, faut bien un circuit où on se fait chier. Hein. Tu penses que c'est vraiment une disaster class les courses sprint? Oh là 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 là, vous avez vu du coup le format là? Ils ont sorti le format, ça y est là. Ça reste à confirmer, mais ils ont balancé l'idée, en gros, des courses sprint. Oh là là, mais quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Je trouve ça, mais d'une nullité. En gros, je vous explique, pour ceux qui savent pas. Donc, vendredi matin, FP1. Donc, normal, FP1. Ensuite, vendredi après-midi, course sprint qualificative. D'accord ? Non, pardon, c'est le samedi, pardon, j'ai de la merde. Samedi, donc, samedi matin, essai.
samedi après. Non, attends, c'est comment? Non, j'ai un doute maintenant. Attends, non. Attends. Ah, j'ai un doute. Non, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Je l'avais vu le tweet. Mais en fait, en gros, ce qu'ils font, c'est que. Il y a un matin, c'est la FP1. L'après-midi, c'est la course qualif, en gros. Le lendemain matin, t'as la FP2. Et le lendemain après-midi, t'as la course. Je crois que c'est le samedi, du coup. Le problème, c'est qu'en fait, entre la course qualificative, le samedi et la FP2 et la course, t'as pas le droit de changer le setup. T'as la porte fermée. Du coup, à quoi sert la FP2, en fait? En mode, tu fais un réglage en FP1, tu l'utilises en course qualif, et ensuite, tu peux plus le changer. Enfin, c'est... Q1, Q2, voilà, c'est ça, c'est la vendredi, du coup. Attends. C'est quoi, du coup? Attends, il y en a qui a mis vendredi qualif pour la course sprint. Ok, voilà. Donc, vendredi, c'est ça, c'est vendredi FP1. Vendredi après-midi, qualif, entre guillemets. Enfin, qualif de base, quoi. Q1, Q2, Q3. Samedi matin, FP2. Samedi après-midi, course qualif. Et ensuite, le dimanche, t'as la grosse course, l'après-midi. Enfin, je suis pas fan perso. Je suis vraiment pas fan perso, mais bon. Faut faire une pétition. Non, mais une pétition ça change rien de toute façon, mais. Je suis vraiment pas fan de l'idée perso. Mais ouais, c'est ça. Vendredi matin et samedi matin les essais. Vendredi après-midi la qualif. Samedi après-midi la course. Et dimanche après-midi une autre course. Avec gris inversé. Gris inversé, je sais pas. Gris inversé, ça je sais pas pour le coup. Je sais juste qu'il y a les points pour les trois premiers de la course sprint. C'est officiel, bientôt. C'est pour l'instant, c'est Silverstone. Il y a quoi d'autre comme circuit? Silverstone. Il y a trois circuits où ils vont accueillir justement le système. Est-ce qu'on rentre au stand? On va bientôt rentrer au stand. Hein. Là, il va falloir rebox. Oh, j'ai vraiment eu la pire stratégie. Je suis dégoûté. Hein. Canada Monza, ouais, je crois que c'est ça. Canada Monza, c'est peut-être ça. Monza, j'étais quasi sûr. Maintenant que vous le confirmez. Mais le Canada, j'étais pas sûr, Ocon. Est-ce que Ocon va bouffer Alonso selon toi? Un peu peur que ce soit l'inverse, mon frérot, en vrai. Hein. Merci Binzo pour le deuxième mois. Merci, mon ref. J'espère que tu vas bien. Pam, pam, pam. Je pense qu'on a box là, non? Vous en pensez quoi? Étape pneu. Allez, into the pits we go. Allez, on va au stand. On rentre au stand. J'en peux plus de ce Grand Prix. Hein. Honnêtement, là, je suis brainwash. Vraiment, là, je conduis. Moi, j'ai plus d'âme. Hein. J'ai vraiment plus d'âme. Hein. Oh, une petite safety car, j'avoue. Là maintenant, là juste maintenant, une petite VSC ou une safety car. Wow. On rappelle que j'ai plus qu'un flashback. Hein. Vas-y, on va mettre détendre et on va aller au bout. Hein. Ah, Jérôme Picham, bah estime-toi heureux, t'es pas derrière le volant. Hein. Estimez-vous heureux, vous êtes pas derrière le volant, les gars. Release. Allez, come on. Pit strategy complete. Allez, vamos, on revient. Je peux pas dire des expressions françaises, espèce de bilingue. Comment ça? Oh, come on. Comment ça, des expressions françaises?
Oh, j'espère qu'il y a des pilotes qui vont faire un tour de plus en inter là. Stroll rentre au stand. Oh, j'espère qu'il y en a, ils vont continuer en inter là. Tous les cas, la Ferrari elle est déjà loin devant. Mais en vrai, oh, comment ils font un excellent tour là. Attends, c'est qui ressort devant moi là? Oh non, on va avoir du trafic. Mais non, mais non, mais non. Putain, mais encore une Alfa Romeo, j'en peux plus. Allez, 10 tours, une safety car, s'il te plaît, s'il te plaît. Balance la safety car, mon ref. Allez, blue flag, come on. Come on, move. Ouais, dans tous les cas, même s'il y a des mecs qui s'arrêtent après, ils ressortiront devant. Dans tous les cas, putain, provoque la safety car. Non, on n'est pas comme ça ici. On n'est pas là à cracher les gens, nous. Putain, ouais, non, ils sont tous arrêtés devant. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'ai pas le droit au bonheur, là. Allez, là, une putain de safety car, sérieux, quoi. Mais je te jure, ils ont tout le temps mis des softs. Ils ont eu tous les bons calls, tout le temps. Ils se sont arrêtés au bon moment, les pneus, ils ont tenu pile le bon nombre de tours. Gros, c'est abusé. Moi, j'ai mis des médiums parce que je pensais que ça allait tenir jusqu'au bout, tu vois. Je pensais qu'on allait aller tranquillement au bout. Et au pire, on se serait arrêté remettre des tendres. Mais eux, gros, mais ils avaient le call parfait. Non, non, on va provoquer rien du tout, rien du tout. Rien du tout. On va assumer, hein. Je suis dégoûté, hein. Vraiment, je suis dégoûté. Yo, ouais, ouais, Germain, c'est un mode. C'est un mode. Demain, c'est départ pour les Maldives avec les points de chaîne. Vous avez parié combien, là, à peu près? Dites-moi, vous avez mis combien de points de chaîne, à peu près? Je vois, de toute façon, pour qui vous avez voté, donc... 50K, quoi. 1500, 2K... Il remarche, le Discord, ouais. Ouais, tu peux le rejoindre. J'ai all-in. Oh, non! Oh non, je suis désolé frérot. Ah, mais bad. Hein. Ça fait partie des risques du métier. Faut jamais all-in. Jamais all-in. Et là, vous avez mis des grosses sommes en vrai. Hein. Incroyable. Hein. Voilà, on va aller tranquillement au bout là. On va finir ces 8 derniers tours. Qu'est-ce qu'elle a été longue la deuxième course, franchement, gros. Autant la première, ça allait, c'était fun, mais alors la deuxième. Vraiment, mais elle a aspiré mon âme, gros. Incroyable, hein. FC retard, aïe. Terrible. Terrible, comment on parie? Il fallait faire ça en début de course. Il y avait l'option pour mettre des points de chaîne. Ah, c'est trop tard. It's too late. Non, en vrai, P5, c'est un bon résultat. En vrai, P5, ça reste un bon résultat. Mais, c'est juste que, gros, j'aurais bien aimé soit avoir les bons pneus au bon moment, soit m'arrêter au bon moment, tu vois. Premier pit stop, gros, je m'arrête trop tôt. Et je mets des pneus médium qui marchent pas sous la pluie, ni sur le sec, d'ailleurs. Au même pit stop, eux, ils mettent des pneus tendres pile au bon moment. Donc, du coup, bah, j'ai perdu du temps. Deuxième pit stop, eux ils mettent des pneus tendres. Mais du coup les pneus tendres ils ont réussi à faire le gap et ils ressortent juste devant moi. Et quand moi je m'arrête pour mettre des pneus médium, je m'arrête une deuxième fois. Gros, il y a la pluie qui arrive. Et eux comme par hasard ils se réarrêtent pas, ils vont jusqu'à la pluie avec des pneus tendres. Et ça va. Quelle flemme. Oh, Bottas il me met un tour, attention hein. Attention hein, si je prends un tour hein. Aïe. Ouais, c'est pas le top 4 malheureusement. Ah, dommage, enfin, on est pas loin. On était vraiment, vraiment pas loin, les gars. Scripted. Oh, en vrai, c'est possible. En vrai, j'ai pas envie de crier au drama, mais
L'Astra Desia, elle est trop belle pour être vraie en fait. Vraiment, elle est emboîtée, elle rentre parfaitement. C'est pas normal, tu vois. Normalement, l'Astra doit pas marcher là. Le script n'existe pas. Oh, si tu savais. Oh, si tu savais. If you knew. Tente le fastest lap. 11.2. 11.8, le meilleur. Mon meilleur en tout cas. Ça va être chaud. Hein. Impossible, je pense. Ah ouais, mais gros, ça descend au fur et à mesure. On rappelle, il me reste qu'un flashback. Hein. Mais le GP IRL, il va être super long, les gars. On va se faire chier de ouf. Hein. Ça va être horrible. Hein. Gros, ça va être horrible dans la vraie vie. Hein. L'IA, c'est juste lire un bulletin météo. Bah non, vu que la pluie, elle n'était pas annoncée sur la deuxième partie de la course. La pluie, elle était annoncée jusqu'à la moitié. Et après, il devait faire beau, normalement. Sauf que finalement, la pluie, elle s'est arrêtée plus tôt, mais elle est revenue. Donc bon. Donc bon. Vas-y, prochain tour, j'essaie le meilleur tour. Je vais essayer de pas trop taper dans le pneu, là. Oh, mais non, mais 11.1, moi, je pourrais pas descendre en 11.1, les gars. C'est impossible, je l'aurai jamais le meilleur tour, fuck it. Hein. On peut script F1 2020, oui. Enfin, en soi, F1 2020, un script, en gros. Vous pouvez savoir qui est un bon camp. Et là, cette course, j'ai l'impression qu'il y aura pas d'abandon devant. Ouais, je pense que c'est Verstappen qui est devant pour l'instant. P5, Verstappen. Qui c'est qui domine la course, hein? Ouais, il ne durera pas. Allez, encore 6 tours à faire. 6 tours du démon. Aïe, 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 quelle galère quand même. Hein. Quelle galère. Il y aura une rediff. Ouais, il y aura une rediff sur la chaîne replay. On uploadera les courses une par une. Les courses seront uploadées une par une, tranquillo. Normalement, on commence la semaine prochaine, mardi, si je dis pas de bêtises, avec le Grand Prix d'Australie. Pour moi, ça parle anglais maintenant. J'ai passé l'ingé en anglais, j'aime bien. Je trouve ça plus réaliste et je trouve plus intéressant. Trouve un peu plus intéressant. Non, en plus, s'ils ont le DRS, forcément, c'est impossible. Le live 36h sur la chaîne replay. On pourrait faire des coupures, genre vous mettre des extraits, ouais, mais pas en entier, quoi. Il n'y aura pas la rediff de 36 heures, tu vois. Ou alors on les met en partie. Ah oui, j'avoue, vous préférez comment? Vous préférez qu'on upload les rediffs par, comment dire, par catégorie, genre, quand on fera du F1, bah on met la F1, quand on fera du FIFA, bah je mets FIFA. Ou vous préférez, genre, des parties de, je sais pas, moi, toutes les 4 heures, on met une partie, par exemple. Je pense que le mieux, c'est par catégorie, en vrai. Genre un stream F1, un stream, tu vois. Parce que en vrai, si on fait genre, je sais pas, moi, je dis au pif 5 parties. Bah déjà, il y a des parties que je pourrais pas mettre sur internet, je pense. Attends. Si, en vrai, si, je pourrais tout mettre. Si, si, en vrai, je pourrais tout mettre. Catégorie, ouais, par jeu. Donc, il y en a quelques-uns qui veulent par partie quand même, mais... le moins compliqué pour toi. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau ce que tu dis, frérot. Wow, wow, wow. We have 5 laps of fuel remaining. Bon, la petite erreur, la petite frayeur là. Petite frayeur à 3 tours de l'arrivée. T'en es où sur le best-of de février? Normalement, il sort semaine pro. En fait, je devais vous le sortir cette semaine. Genre, je vais être honnête avec vous, là, en fait, je suis pris de court par le nombre de trucs que je dois faire, en fait. Vraiment, on rigole, machin, je suis chômeur, mais PTDR non, tu vois. Et en fait,
il y a eu tellement de trucs ces dernières semaines, des contretemps et tout, que du coup ça m'a tout décalé mes vidéos et les carrières, c'est surtout les carrières en fait qui prennent beaucoup beaucoup de temps à faire. Et du coup je peux pas faire grand chose à côté. Donc le best of sortira semaine pro normalement et le no rules la semaine d'après je pense. Tu veux de l'aide pour les best of? En vrai ça va, en vrai je... En fait Elliot genre c'est gentil et tout, j'étais genre j'aimais bien les best of que tu faisais. Mais moi ce que j'aime bien sur les best of c'est faire avec mon humour tu vois. Mais du coup ça prend du temps quoi. Ça prend du temps mais j'aime bien pouvoir mettre mes blagues, mes sound effects et tout tu vois. Le Golden ça va toi? Allez plus que deux tours les gars, plus que deux tours et on en a fini avec ce calvaire. Je vous jure rien que de le fait de finir cinquième je trouve ça déjà très très bien. Oh yeah. Tu devrais utiliser Crutchif. Ouais je l'avais Crutchif avant sur iRacing. Je sais qu'il marche aussi sur F1 ouais. Bon l'ingé en anglais fait le taf hein, moi je trouve hein. Oui pour live 36h on va regarder le Grand Prix. Demain les gars 20h. Venez à 20h, demain on explique tout. On répondra à toutes vos questions et sur les réseaux on vous montrera, on vous mettra pardon, le planning demain matin. Demain matin vous aurez les grosses lignes en gros du live. Vettel a passé Stroll. Oh merde j'avoue. C'est chiant. Oh là 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 là, stressé par le background de français. Aïe 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 aïe. Pas du tout, pas les couilles. Terrible, terrible, terrible. Ouais, c'est moi qui monte les best-of. Les best-of, c'est moi qui les monte maintenant. Enfin, qui les monte, j'en ai monté qu'un seul, quoi. Et là, j'ai monté le deuxième. Allez. Plus que un tour, les gars. Et on est délivré de cette course. Come on. Come on. Il y a encore des... Ah, oui, il y a encore des exams. Allez, dernier tour, les gars. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il aurait été dur ce Grand Prix hein. Vraiment, j'ai les poignets, j'en peux plus. Hein. T'as encore beaucoup d'essence, beaucoup trop, ouais. Beaucoup trop. Allez, last lap. Last lap, on va chercher le meilleur tour, come on. J'aurais peut-être dû recharger ma batterie, mais. T'as un setup? Ouais, on a pris un setup. Hamilton, meilleur tour. 10.7, ouais, j'abandonne. Hein. Ah, mais il a... ah, mais il était derrière moi! Oh, j'ai failli prendre un tour. J'ai failli prendre un tour. Oh là 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 là. J'ai failli prendre un tour. Oh la honte. Oh la honte, j'ai failli prendre un tour. Bon, 10.7, jamais je l'aurai, hein, vraiment. Allez, 10.6. Il y en a un qui veut descendre en 10.5. Il me reste un flashback. On avait dit 5 maximum, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier, voilà, 5 flashbacks. Je les ai. J'ai utilisé le quota. C'est bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Petite erreur, hein. Il y a eu une petite erreur, je vous avoue. Hein. Ah bon, je suis désolé, hein. Tu peux donner les points à Lucas quand je passe sur la ligne. Je suis désolé le FC Win. Mais malheureusement, ouais, non. Top 4, pas possible. Hein. Avec la chance qu'ils ont eu, les gars, c'était pas possible. C'était pas possible, ils ont eu trop de chance sur la stratégie. C'était pas rigueur. Ça c'était pas juste hein. Ça c'était unfair hein. C'était vraiment unfair. Ouais, désolé la team bleue. My bad. Allez, tu peux envoyer les points. P5. Bon en vrai moi je suis content du résultat mais bon. Dommage pour tous ceux qui avaient voté le top 4. Ah le Stonks. Le Stonks pour le FC non. Aïe 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 aïe. Oh je sens plus mes épaules. Ah oh, mec je sens plus mon épaule. Mon épaule droite j'en peux plus. GG. GG à tous. Aïe aïe aïe. Vous avez gagné combien là? 19. Dites-moi vous avez gagné combien là? 20k. D'après vous Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un... Ah j'en peux plus, j'ai trop soif. La clé de la victoire aujourd'hui. J'ai vraiment trop soif. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques. Moins de 10k, en vrai ça va, 10k c'est pas grand chose. 30k, j'ai perdu 400k. Mercedes va fêter ça dignement ce soir et il le mérite bien. Masukilu qui redescend, oui, oui, oui.
Oh, let's go, let's go, let's go. Vamos. Mon pauvre, mon pauvre. Alors, 7200 points. Let's go. Du classement des pilotes. L'avantage du pilote, ils ont mis un tour à tout le monde. J'ai trop le démon. J'ai trop le démon, les gars. Le du jour. Vous voyez pas, du coup, les points là? Ah, ouais, non, vous voyez pas les points. Merde. Faudrait que je fasse les scènes. Faudrait que je fasse une scène où vous voyez le classement en fait. Je ferai les scènes tranquillou. Ah, terrible. Terrible. Merci Théo pour le try. Bienvenue, frérot. Bienvenue. On est à 17 points des Red Bull. Vous le voyez? Ouais, ça vous le voyez, mais ça vous le voyez pas, par contre. On est à 17 points des Red Bull, donc en vrai, c'est jouable.